Bonjour à tous, voici le Kimco MXU 550, modèle 2020 qu'on ne présente plus et qui vient de passer la barre des 10 000 km. Alors, on va faire un petit bilan ensemble sur l'entretien, sur les problèmes que j'ai pu rencontrer sur cette machine, le changement de la courroie, enfin voilà quoi. Donc, premier problème que j'ai rencontré, c'était au niveau de la barre stabilisatrice qui se trouve juste ici à l'arrière. Une de ces deux bagues qui se trouve juste là, c'était dessertie de la barre, ce qui avait tendance à la décaler sur le côté gauche. Problème résolu, pris en garantie par le, le concessionnaire sans aucun problème. Le deuxième souci que j'ai eu sur ce quad, c'était, enfin si on peut appeler ça un souci, c'est les rotules de biellette de barre de direction. Je ne sais pas si on va bien les voir sur la vidéo. Qui se trouvent donc ici et vers la roue. Sur les 10 000 km effectués. J'en ai changé 3. Donc rien de bien alarmant. Troisième petit souci. Au bout de 10 000 km, les cylindres blocs des triangles avant. Des triangles supérieurs à l'avant. Juste là où se trouve le graisseur. Il y en a deux à droite et deux à gauche. J'ai changé les quatre. Et le quatrième souci. Un clignotant avant qui a grillé. Clignotant LED. Donc bien sûr, on change le clignotant complet. Donc au final, pas grand chose pour 10 000 km de, de roulage. Niveau entretien, c'est un quad donc... Je précise que c'est un quad que j'ai acheté neuf en novembre 2019. Il va donc avoir trois ans le mois prochain. Entretien donc première vidange à 500 km, vidange moteur, vidange pont avant pont arrière. Ensuite deuxième vidange moteur à 2000 km, puis à 4000, puis à 8000, puis à 10000. Niveau vidange pont avant pont arrière tous les 4000 km, c'est-à-dire une révision sur deux. Pour la bougie, pareil, tout, changement de la bougie tous les 4000 km. Euh, la courroie, puisque évidemment c'est un quad avariateur, donc la courroie, changée par précaution à 7500 km. Bon, elle n'était elle était pas morte, mais elle commençait à montrer des petits signes de faiblesse. Niveau plaquettes de frein, elles, sont, elles présentent une usure d'environ 50%. Elles sont d'origine, jamais changées en 10 000 km. Euh, les pneus, les pneus, ce sont des duro frontiers que j'ai fait mettre lorsque j'ai acheté le quad en concession. Ils ont donc 10 000 km. Sauf pour l'arrière, où ils ont un petit peu plus car ils étaient montés sur mon ancienne machine. Donc à l'arrière, ce sont des pneus qui ont fait 10 000 km sur cette machine et qui ont fait 2500 km sur mon ancienne machine. Ils ont donc 12500 km. Franchement, ça tient bien. Je suis très content de ces pneus-là. Sachant que j'utilise mon quad à environ 60% sur route et 40% sur chemin. Donc franchement, il reste quand même du crampon. C'est plutôt pas si mal, quand on sait qu'avec les pneus d'origine, on dépasse rarement les 3500 à 4000 km euh, sinon rien de particulier le filtre à essence qui se trouve euh, au fond du réservoir euh, fixé bien sûr à la pompe euh, de, à, à la pompe d'essence que j'ai changé à 6000 km là aussi par précaution il ne présentait aucun signe de, de faiblesse aucune saleté mais bon une fois qu'on a tout démonté et qu'on a le filtre neuf on va pas remettre le vieux forcément Bon après, bien sûr, le, le quad est particulièrement propre parce que d'une, je suis très maniaque, de deux, j'en prends soin. C'est un quad qui n'a jamais fait de bourbier, c'est un quad qui n'a jamais fait de franchissement. Il sert pour la balade, comme je vous ai dit, 60% route environ, 40% piste roulante et tranquille. Sans forcer, il ne sert pas pour tirer des remorques. D'ailleurs, si on sort le cache, on peut s'apercevoir que la boule est nickel chrome. Sinon, euh, machine que je trouve vraiment très fiable. Pas de soucis majeurs rencontrés dessus. Très content c'est mon cinquième Kimco et j'en suis vraiment très content vraiment rien de particulier à signaler je pense qu'on a fait le tour des éventuels problèmes qu'on peut rencontrer donc voilà hein. en résumé trois ans 10 000 km, quad acheté neuf, et absolument aucun souci majeur. Alors une petite parenthèse pour revenir sur le souci de la barre stabilisatrice, parce que je sais que je ne suis pas le seul à avoir eu ce souci. Donc lorsque une, une de ces bagues-là se dessertisse, si le quad n'est pas garanti... C'est pas forcément nécessaire de, de, de commander chez le concessionnaire ou sur internet une barre stabilisatrice neuve qui coûte 120 ou 130 euros il suffit simplement de couper deux tubes de section supérieure deux morceaux de tube de 2 cm que vous divisez en deux pour avoir deux demi cercles vous le, vous posez ça sur l'arrière après avoir démonté le après avoir démonté la barre stabilisatrice vous posez ça sur l'arrière la, sur et sur l'avant de la de la barre stable et un coup de soudure un coup de peinture noire anti rouille et le tour est joué ça sera même mieux que le certissage d'usine qui n'est pas top voilà si la machine est garantie bon très bien tant mieux pour vous si elle est plus garantie c'est pas la peine d'aller se, se plâtrer entre guillemets sur une barre stabilisatrice à 130 euros qui risque de présenter le même problème bon, en l'occurrence là ça m'est arrivé au bout d'un an à peu près donc là ça fait deux ans que que j'ai changé cette barre stable et aucun souci dessus mais bon voilà quoi petite, petite astuce du jour on va dire hein. deux tubes un, coup, un petit peu un petit peu de soudure un petit peu de peinture noire et c'est parfait hein. voilà je pense qu'on a fait le tour du sujet le tour de la question si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire hein. quant à moi je vous souhaite une bonne route